Salut tout le monde, bienvenue sur VDJD. Aujourd'hui c'est une VDJD, une petite vidéo vraiment roche roche. Bon, vous me voyez pas bien bien. Bon, pour que vous me voyez un peu mieux. Ouais. Alors comme j'ai dit, aujourd'hui une petite vidéo roche roche. Je l'avais écrit sur ma page Facebook, les nouvelles de JD. Donc une petite vidéo roche-roche parce que la vidéo bonus que je fais ne marche pas. Donc aujourd'hui c'est vraiment une vidéo roche-roche là, vite comme ça. Puis on va jouer à... sur la Wii U à Hyrule Warrior. Donc... pour la vidéo Hyrule Warrior, c'est un petit gameplay que je fais pour l'instant. Je sais pas si je vais me lancer un let's play, mais en tout cas, je vous ai assez fait attendre, donc on se lance sur Hyrule Warrior. Je vais vous placer comme il faut. Ah, je veux quasiment que mon meuble s'aille plus bien. Ça va bien, hein, déjà, je suis en train de patenter quelque chose. Ça marche pas. Bon. Je vais regarder si vous voyez bien. Hop. Déjà vous mettre le son. Ouais, vous voyez quand même bien, hein. Juste. Donc peut-être lancer pour une petite 30 minutes de vidéo tout le monde. Bon, voyez bien. Donc, on va commencer le mode légende. Ok, moi j'avais déjà commencé les gens, donc je vais recommencer du début pour vous. Donc au début on commence à y plein de rules, puis on peut juste choisir Link. Donc si vous voulez jouer à deux, au début vous pouvez pas, faut que vous êtes attendu d'être rendu au volcan d'Ordin pour jouer à deux. Parce que le premier niveau il peut juste seulement se faire à un. Donc Link, je vais prendre son épée. On peut peut-être, est-ce qu'on peut, ah oui, on peut changer Link de tenue. Donc voyez-vous, vous avez plusieurs tenues avec Link. Vous avez la tenue du héros, mais c'est sûr que si vous voulez changer de tenue, il faut que j'achète la passe de saison, que moi j'ai acheté pour avoir des tenues supplémentaires. Vous avez la tenue du héros, la tenue du soldat, la tenue de l'air du héros, tenue du crépuscule, tenue de l'air céleste. Vous en avez tout plein d'autres, là, Link Noir, Postier, ou Dark Link si vous préférez, là, sur Link Noir. La tenue classique. Bon, moi, par ça, je voudrais prendre Link Noir, parce que j'adore Link Noir. Dark Link, donc épée. L'épée de chevalier. Les étoiles, je me dis que l'épée est plus forte, bon. Petite cinématique. Les anges, je vous en parlerai un peu plus tard. Bon, je vais aller pour vous. N'aime pas, j'ai encore fait un mauvais rêve. De sang de menace pleine sur le royaume d'Hyrule.
de sombres menaces. Si c'est le cas, nous devons le trouver au plus vite. Le héros digne de porter l'habit légendaire. Nous ne trouvons que des nouvelles recrues ici. Nous devrions sûrement commencer nos recherches ailleurs. Votre Altesse, une horde de monstres marche sur les rues. Préparez-vous au combat immédiatement. Hey, c'est la princesse, non? Qu'est-ce que la princesse Zelda vient faire par ici? Des ennuis. Link, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet arbre? Donc, le jeu va commencer maintenant. Donc, sachez que le premier niveau est plutôt facile. Rundle est assailli par des vastes hordes de monstres. Princess Zelda, but a battle begins against Hope's odds. News of the Hyrule Princess Zelda pu mettre en place. La nouvelle de la fête imminente de l'armée de l'air est une arme de nouvelles recrues dans les cours du château. Informée de la déroute de l'élite de Zelda, ses jeunes soldats ont épousé un abri dans les murs du château. Il y aura un danger, un jeune homme décide de prendre les armes et partir une célèbre entraînement à la mort. Ce courageux garçon portait le nom de Link. Poussé par sa bravoure, il se rua sur le champ de bataille face au monstre pour aider les soldats à défendre Hyrule. Là, je lis vite, mais. Bon! Donc, quand vous commencez, vous avez le champ de bataille, donc c'est la carte qui est dans le côté. La situation, vous avez le joueur, le tutoriel, les paramètres, le choix de la musique, le choix du scénario, puis de commencer. Donc, changez la musique pour commencer. On prend celle-là, puis on commence. Merde. Là, faut que juste à la télé. Ok, c'est parti. Pleine des rues. Donc, ce jeu, c'est le jeu, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est vraiment comme Dynasty Warrior. Hein, parce qu'il y a plein de monstres qui arrivent, puis votre vie, là, c'est quasiment à tout les tuer. Dites-le bienvenue à tous ces monstres. Et ben, nous allons affronter l'armée du tonnerre. C'est rangé une bloc à route, impossible de dire après ces soldats. Regardez le spécial qu'on fait quand on appuie sur O. J'adore ce jeu. On vient de faire utiliser l'armée du tonnerre. Le jeune garçon est vraiment une nouvelle recrue. J'ai pas doué, quel est son nom? Je suis sorti de moi, il demande ce qu'on sortirait. Donc quand vous avez des chefs de poste, donc des capitaines, il faut que vous les battiez parce que ça vous donne des soldats supplémentaires et un poste pour protéger. Dans la baston, ouais. Hein? La main de tonnerre va encercler Zelda. Tenez, tenez bon, je vais protéger notre royaume. Allez, il faut qu'on protège la princesse, dépêche-toi. Ouais, mais tu dois savoir où aller aussi, hein.
Tiens, pour faire attaquer ça, voilà. Le corps du fort a volé sur l'armée du ténèbre avant. Rendez-vous au fort là-bas, ami. Ok, donc ça c'est Volga, le dernier dragon. C'est le dragon Volga. Donc le premier objectif est de tuer Volga. Venez m'affronter, je suis là et d'aller rejoindre vos ancêtres. Éliminez Volga. Et laissez pas passer le chevalier dragon. Petit, tu vas le regretter. Bien, j'avais tous les deux frères à rejoindre vos ancêtres. Oh non! Qu'à la triforce du courage. Ça veut dire que tu sois... Regarde, vas-tu en retrait? Ah, j'y ai encore pas mal de tirs, nous nous retrouverons. Bon, on arrive à Volgan, on a plus jamais compté sur lui. Très bien, on est à la prochaine unité. Le pont du fort abandonné sont ouverts. Je vais juste les retenir, amen! Et bien, les hommes approchent. Avec plaisir! Lucien a compris. Je vous ai couru les deux premiers gars. La vie de la grotte est ouverte. Tu m'as enlevé le boost d'équité, faut pas avancer, je veux que tu fasses son trésor. Attends, la date est prenez le trésor. Moi aussi j'ai mon rôle à jouer. Donc on va prendre notre trésor comme il voulait. Merde, je me suis trompé de piton quand même. Hein. Yeah. Dans le trésor, c'est des bombes pour vous dire, mais comme vous avez déjà, ben... Bon, donc là, faut que j'aille sauver la princesse Zelda, j'imagine. La nuit nous repousse. Attendez, c'est difficile, j'aimerais bien faire le passage avec des bombes. Et nous allons dire, ne dites pas qu'on est synonymisé de petite fois.
la forêt est à nuit. Ning a vu le contour du fort ouest de la plaine. Allez, à donner le reste. Donc le juste, les regarde sur la princesse. Donc je vous dis que le juste c'est vraiment du pur combat tout le long, vraiment. Ah, je t'en connais, tu étais dans le centre d'entraînement. Le jeu, vraiment, tout le long, c'est vraiment juste du combat. Des boss, du combat, puis ah oui, encore du combat. Donc vraiment, pour ceux qui n'aiment pas les jeux de combat, je vous conseille pas. Prenez une force en terre, le fort de la plaine. Ah, je vais occuper des monstres qu'il y a d'abord, peut-être. Bon. Le fort, c'est celui-là, là-bas. On va tuer quelques-uns en passant. Dans l'internet, c'est dit, je vais acheter des rênes. Et c'est bien. Tout en arrière à présent, prenez la force centrale. Bon, je vous regarde quand même la vidéo, on est rendu tout le monde. 17 minutes, c'est bon. On a le temps de finir. Je vais vous faire un attaque. Pour l'instant, dépêchez-vous de prendre la force. J'ai peut-être pas de test qui est écrit avant parce que des fois j'ai vraiment pas le temps de lire. Bon, le boss est où le boss qui est là? Tiens, la force en train de nous appartient. Comment ça fait, il faut la faire. Non, mais elle peut être contenue en or. Allons demander son aide dans la grande fille. Donc la grande fée, c'est le Triforce que vous voyez en bas de la carte, là. Comme ça, vous allez voir où je vais. On va avoir une déesse avec Zelda. En tout cas, ce jeu-là, si vous l'achetez, je vous conseille de ne pas le prendre pour un Zelda parce que c'est pas vraiment comme les Zelda où tu fais le tag de temps, puis tu connais tous les esprits. C'est vraiment un Zelda, mais différent de ce qu'on peut dire, différent de peut-être de ce que vous connaissez. On va laisser l'armée s'en occuper. Venez, prions la grande fête tous ensemble. Activez le sac magique. Donc la grande fête va nous aider à détruire et prendre la moitié de l'armée des mondes.
Ça m'a déjà eu le talib à perdre. Nous avons essayé de tomber mieux, t'es considéré à mal, t'es les yeux. Dans le moral de l'armée de l'air augmenté, bien, lançons la contre-attaque. Docteur, je vous en prie, repliez-vous, nous occupons du reste. Très bien, puis c'est d'esbiller sur vous. Vous avez bien appris la chambre de bataille. Yeah, le temps d'être plus mal dans cette bataille. Rappel, roi de Dongo. Vous êtes allé à l'Ocarina of Time, vous connaissez la voix d'un endroit. Ou même peut-être Majora Mask, je pense qu'elle parle aussi de Majora Mask. Là. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça monte? Le roi de la garde. Les façons de victoire ont changé. Merde, arrête de péter ta boule. Dommage, j'ai fui le champ de bataille. Bah, il sert à vendre des bombes. De plus. Oh. Putain, la voix de Dordo. Ah ouais, faut l'acheter là. Joli! Voilà, la roi de Dango est terminée. Félicitations à tous, vous venez de prouver la détermination et la meilleure des armes. Commandant Paz, c'était le major ennemi a pris le château. Quoi? Ce monde avec une distorsion? Mais la poste des armes, est-elle sa mission? Elle est introuvable. Non. Comment? Alors, elle est introuvable. J'espère de tout cœur qu'elle est sans son. Nous avons besoin de travail pour la retrouver. Bien, bien long que nous attendons, il porte cette tenue avec honneur. Donc la jambe va connaître tous, hein, on n'a pas besoin de la Triforce, force symbolique, blablabla, blablabla. Donc les rubis, je vous montre dans une autre vidéo à quoi ils servent. Balanche pour Tengue, le chevalier, le pied divine, le culte en Dango, le cœur de les Alphos, le monstre. Bon donc, voilà à quoi fallait référence la vidéo bonus d'aujourd'hui. Donc, on a vu un peu à quoi ça servait. On est rendu à 25 minutes, ouais, c'est bon.
C'était juste un petit gameplay pour la vidéo bonus que je vais faire parce que la sienne vidéo bonus, finalement, ça marche pas. Donc, on se retrouve le 28 août pour une nouvelle vidéo. Ça va partir sur les jeux vidéo qui vont bientôt sortir. Donc, c'est tout ce que je vous dis, je vous en dis pas plus. Donc, au 28 août, tout le monde.